12, naquit à Neuville-sur-Vanne. Paul Chomédée de Maisonneuve, fils du seigneur de Chavannes. Tout jeune homme déjà militaire, protégé de la Dauversière, héritier d'une vision mystique, celle d'une cité apostolique. Assoiffé de justice divine, ces fous de Dieu souhaitent prendre racine dans la vallée du Saint-Laurent. De nouvelles âmes, d'un nouveau sang, une poignée d'hommes quittent La Rochelle. Quatre femmes sur la passerelle, deux vaisseaux emportent Jeanne Mance et Maisonneuve en Nouvelle-France. Le père Lejeune à Tadoussac accueille les braves qui débarquent, et puis l'hiver et le printemps ouvrent la voie du Saint-Laurent. C'est qu'elle dérange cette mission de Montréal, la fondation de Montmagny si opposant, leur offre en vain l'île d'Orléans. 17 mai 1642, de Maisonneuve hardi et pieux, érige aux côtés de Jeanne Mance Fortville-Marie, telle une offrande. Abat lui-même le premier arbre, porte la croix au Mont-Royal. Allié des Hurons en péril, le sang des colons baptise la ville. Au-delà des jeux politiques, du manque de tout, des morts tragiques, sous les assauts des Iroquois, qui de ces terres étaient les rois. Madame de Peltry les argente, Madame de Bullion les relance, sans colons soldats qui arrivent pour sauver cette folle entreprise. 23 années en cette terre, de Maisonneuve laisse derrière, au-delà des folles croyances, une métropole en Nouvelle-France. 15 février 1612, naquit à Neuville-sur-Vanne, Paul Chomédée de Maisonneuve, le fondateur de